Bonjour à tous, bienvenue. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui à Santiago Bernabéu. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face au Betis Séville. On va suivre bien sûr Antoine Griezmann, un attaquant qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. Vraiment devenu un attaquant très efficace. La première saison à Atlético, il a fait passer un cap et maintenant il est sans complexe. Il marque contre les meilleurs. Pour y apparaître à la proposition du Real Madrid. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant sale et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif. La perte de la balle. Antonio Garcia. Il y a peut-être une situation intéressante là. Il touche. Il remet tout de suite en jeu. À perdre. Ouais, la passe de la tête, bien. Alexandre Lacazette. Le ballon qui change de plan. Antoine Griezmann. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Le ballon qui sort en touche après ce bon tacle. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Ouais, la passe en profondeur. Oh, il s'est fait passer le défenseur. Ouais, la frappe. Un problème pour le gardien. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pas personne. On s'approche de la zone de vérité. Allez, il peut être l'égalisation. Ouais, l'égalisation au bout du pied. Ouais. C'est quand même le genre d'action qu'il ne faut pas rater. On n'est plus obligé hein, sur cette interception. Bonne pointe bas. On peut voir un jeu sur cette attaque déjà de Real. Et le tir est potentiel. Et la voilà la frappe. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. On attend le plaisir, on voit ce but. Frappe qui combinait puissance et précision. Le parfait cocktail. Danilo. Cette tête ne sera pas cadrée. Il a marqué quelques centimètres. Paul Pogba. Anthony Martial. Pogba, on s'approche du but. Et ce ballon qui est perdu. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Petros. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Attention à la tête.
Lacazette. Un bel ballon d'attaque. Ah non, ça ne va pas plus loin. Passant à Boubacar. Lasso. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Peut-être une bonne opportunité, attention. Voilà, les uns et les autres. Allez, c'est parti, la seconde période de ce match ici à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid qui s'approche du but. Non, ça ne passe pas. Ouais, c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Paul Pogba. La tête sur le spectacle avec efficacité. Et c'est un corner avec l'arbitre. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Allez, d'un coup. Un coup franc contre le Real. Allez, jaune. Carton jaune. C'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Ah, mauvais tacle, il est en retard, il commet la faute. Oh, la tête. Le coup qui finit dans les bras du gardien. Anthony Martial. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Et c'est son deuxième but en personnel aujourd'hui. Deuxième but personnel, on va peut-être pas s'arrêter là. Hein.
difficile pour cette équipe. Donc c'était pas trop tôt. Oui, les joueurs après ce match et leur adresse a très bien servi. L'écart évident pour le papier, c'est déjà un premier motif de satisfaction. Antoine Griezmann. Ah, c'est peut-être lui, hein, l'homme du match. Pour l'instant, oui. Le face à face avec ce gardien. Griezmann qui frappe. Bon, il y est. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire, c'est son troisième but. Ah, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il nous fait aujourd'hui. C'est rare le coup du chapeau. Et ça fait maintenant 6-0. Bien raclé. Le Real doit affronter Everton ensuite. L'équipe a bien joué, elle devrait s'imposer, c'est assez logique vu leur domination. Ouais, la lutte est en train de reprendre ses ballons. Allez, Pogba qui poursuit son action. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est elle, la voilà, la frappe. Ballon capté par le gardien. Ah, facile la récupération. Le tir. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Cavarel. Les 30 derniers mètres. Ah, ça y est, l'arbitre qui vient de siffler.